Et bon, on va vite appareiller, danser un peu, puis pas ton bara. C'est le travail paye en Europe. Travailler pour avoir à manger. Le teint est zo. Sans filtre. Le teint est zo. Sans filtre. Le teint est zo. Partagez. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Partagez-moi le direct. Vous faites. Depuis qu'on fait 14 partages, 15 partages. Partagez le direct là-bas. Y'a pas les voyez. Toujours en clé sur vous. Toujours en clé sur vous. Partagez le direct là-bas. Partagez le direct là-bas. Je fais un communiqué ce soir. Admet. Il faut écrire en haut. Communiqué de la République des Vêtements Civils à Lyon. Il faut écrire en haut, communiquer. Partager le direct, je dois parler. Maintenant, quand tu mets musique en bloc, donne-moi la chanter. Partage le direct, il y a fait 30 minutes, il est parti, j'ai pas trop duré. Donc partage le direct, les gens vont venir et puis je vais partir. Voilà, je suis en train de bosser. Partage le direct, ne me salue pas. Il y a une dame qu'on appelle Zao de Gugu là. Quand je t'ai recouché, tu connais mon recoucher. On m'a envoyé ton direct. On dit tu as parlé. Y'a moi bien Zao de Gugu. C'est ta lapeuse qui a fait 2 semaines, 3 semaines en prison. Et puis elle a eu ceci. Moi, ma fille de Nordi Paul. Elle peut jamais être en prison. Mets ça dans ta tête. Et puis quand elle te récupère là, tu as confirmé moi. D'accord? Il n'y a pas quand on va être en direct. Il y a des ça tout à l'heure. Il y a des point par point tes direct. Tu as compris? Il y a des point par point tes direct. Et puis elle framponne à toi. D'accord? C'est moi, j'envoie ton Gugu, ta femme Gugu en prison là-bas. Et puis tu m'en veux. C'est moi qui l'envoie. C'est moi, elle envoie pour dire qu'elle a qu'à diffamer sur une vidéo et puis on peut s'enfermer. Hein? C'est moi, elle envoie. Faut te calmer. Je respectais beaucoup Love Gugu. Quand Love Gugu était à la police, comment on appelle ça? Quand Love Gugu était au tribunal, là, ma maman, la petite soeur, ma mère, elle était là-bas. Elle était là-bas avec vous. Elle a apporté ton soutien. Tu comprends un peu? Quand vous avez fait fête, dans votre truc là-bas, là. Maman Félicité, c'est ma maman. Elle était avec vous. Elle vous a apporté le soutien qu'il fallait. On était tous avec vous. Oh, tu apprends quelque chose sur moi, tu poses ta caméra et tu fais. Pour le reste, maman, il a mis à côté. Et puis pour le reste de l'autre, il a mis à côté. Puis il te frappe comme ses doigts. Attends, quand je réponds mes ennemis. Il répond mes ennemis comme ça. Attends, il a fini mon week-end mongolistique. Je finis d'abord mon week-end mongolistique et puis toi, on va commencer. Je finis d'abord. Tu fais parler avec quelqu'un. Tu t'attaques à moi. Pendant que ma famille vous a apporté le soutien. Pendant que ma famille était avec vous. Ma maman même qui est mariée légalement depuis 20 ans, qui est française. À cause de vous, on l'a traité de lesbienne. Parce qu'elle était avec vous. Elle avait tout votre soutien. Tu n'as pas réagi à ça. Hein. Fais t'asseoir pour parler de moi. Tu veux t'asseoir. C'est pas Chloé, hein, pas ça. Regardez, mais Chloé. Demain, on va faire le procès de Chloé. Chloé a la chambille calme. Elle a la chaussée calme de chambille. On va faire le procès demain.
Tu veux t'asseoir pour parler de moi? C'est moi, j'ai envoyé l'homme Gugu en prison pour faire 2 semaines, 3 semaines là-bas. C'est moi, j'ai mis suicide. C'est moi, j'ai mis suicide sur la tête de l'homme Gugu. Il y a mon bien dans mes yeux. Non! L'homme Gugu, je la respecte beaucoup. Mais sa femme, elle n'est pas une bonne femme. Elle est aujourd'hui. Il y a des frappes pour les autres de Gugu. Et puis tu vas confirmer. Bon, d'accord? Voilà. Partagez le direct, on va commencer. Je vais vous parler. On dit que Sylvie a l'argent. Donc, tout ça pour ça, les gens ont faim dans le pays là. Les gens ont faim. Bon, on est 400 personnes, je vais commencer. Vous allez partager le direct. C'est le direct là qui a fait le tour de la toile. Parce que quand Sylvia parle, ça sonne fort. Vous êtes nombreux à assister sur la toile. Oui, parce que c'est la toile du game. Voilà. Il y a un game qui a été lancé. Et vous êtes nombreux à assister. Et l'ennemi, qui est mon adversaire, pas l'ennemi, mais mon adversaire qui est Kouadio Emmanuel Louise Adolphine, épouse Koulibaly, voilà, a perdu les pédales dans ce game qu'elle a créé. Et depuis septembre 2021, j'ai reçu un courrier chez moi. Avant que je ne reçoive le courrier chez moi, elle a fait un post sur les réseaux sociaux où elle dit que je devais recevoir une citation directe. Je reçois cette citation directe du nom de Emmanuel Keïta. Et je fais encore une autre vidéo où je dis non. Ce n'est pas une vraie citation. Parce que la citation ne porte pas ton nom. Ton nom qu'on connaît et que je connais. Puisque tu vas déjà envoyer tes cartes pour que je puisse exposer. Ton nom c'est Kouadio Emmanuel Louise Adolphine, épouse Koulibaly. Donc il faut aller me refaire une citation. Et ce que tu as envoyé, ce n'est pas une citation. Voilà, parce qu'une citation porte des dates. Donc, il faut aller refaire une citation avec des dates et ton vrai nom. Pour que je puisse comparer. Parce que ce que tu as envoyé, pour moi, c'est un faux et c'est du torchon. Oui. Donc, en novembre, elle a annoncé qu'elle avait les dates. J'étais vraiment impatiente d'avoir des dates. Le lundi, on annonce une chaîne ivoirienne à buzz qu'on a nos dates. Je dis OK. J'arrive hier chez moi, je n'ai pas reçu. Et ce matin, je reçois le courrier de Lucien dans ma boîte aux lettres. Parce que j'ai une boîte de lettres ici en Europe. Je pars chez Lucien, je récupère le document en question. Donc, je vous annonce que mon procès, comme ils l'ont dit, c'est le 23 mars 2022. Que de joie! Oui, que de joie! Mais soyez rassurés, les amis de Verte. Soyez rassurés, parce que je n'irai pas en prison. Il n'y aura pas de prison. Même si, bon, on va arriver là-bas, je vais contester parce que elle a mis Kouadio Emmanuel Nekeita. Bon, là encore, là, elle a reconnu son nom Kouadio, là, elle a reconnu ça. Je n'arrive pas à comprendre, quand vous faites les annonces là, pourquoi est-ce que vous mettez Emmanuel Keita sur les réseaux sociaux et quand c'est de la vraie vie, vous ne voulez pas. Elle s'appelle Kouadio, cela prouve que je n'ai pas diffamé sur le nom. Voilà, parce que j'ai reçu le document, il est là. Moi, je ne ferai pas comme elle. Elle présente les noms des gens sur les réseaux sociaux. Elle présente les trucs des gens sur les réseaux sociaux. Je ne ferai pas comme elle. Voilà. Mais seulement, je dis que c'est Kouadio. Donc, je n'ai pas diffamé dessus. Je n'ai pas diffamé sur son nom. Voilà. Donc, Kouadio Emmanuel m'a envoyé en ce jour la convocation en question. Voilà, et je vais aller comparaître. Et elle demande de l'argent. Quoi Dieu demande simplement
enlevé ça. Oh maman. Voilà. Donc dans le document, quoi, Dieu ne me connaît pas. Dans le document, elle ne me connaît pas. Dans le document, elle ne me connaît pas. Voilà, dans le document, elle est animatrice. Elle est animatrice influenceuse. Voilà, elle ne nous connaît pas, nous sommes des femmes. Comme ça, hein? Elle ne nous connaît pas. Moi, je ne comprends pas. Animatrice, c'était avant-hier là. Avant. Non. Ce dossier-ci me plaît. Donc. Jourdain Gueule, ta gueule. Laissez les gens s'exprimer. Tu m'as vu, j'ai dit que. J'ai dit stratégie ici. Tu fais ton sale con sur mon direct et puis tu passes. Imbécile là. Vous aimez trop ça. Je suis en train de dire courir qu'il est reçu. Tu dis non, vous ne pouvez pas mettre ta stratégie dehors. Tu es bête. Tu connais mes stratégies. Tu connais mes stratégies. Puis, mais comme je dis, je suis en train de parler du cours de. Du truc. Donc, dans le courrier, elle dit, elle est animatrice à Voice Africa et influenceuse. Et tout d'un coup, subitement, Aya Robert l'insultait. Aya Robert l'insultait. Et tout d'un coup, brusquement, subitement, Sylvain quitte là-bas. Puis, elle vient parce que Sylvain était motivée par l'harcèlement d'Aya Robert. Et puis, Sylvain vient, bouah, et puis, elle commence à parler. On dit vous, quand il fait la directe, vous vous commentez, puis vous riez là. Vous... Donc voilà un peu. Donc du coup, parce qu'elle ne me connaît pas, voilà dans le courrier là, elle ne me connaît pas. Je suis une fan là-bas, c'est une fan. Elle ne me connaît pas. Donc un coup comme ça, il me suit, comme je suis bête là. Je me suis levé comme ça, bête comme ça. Et un coup, ça y est, Aya commence à parler. Aya parle. Aya finit de la sceller. Et puis un coup, je sors là-bas pour un joie. Et puis je parle. C'est ça. Donc, c'est ça, je vous dis. C'est le courrier qu'il a reçu. C'est qu'ils ont écrit dedans. C'est ça qu'il a. Donc, à la suite, quand je vais aller à ma convocation, avant de sortir là, il faut que je lui donne de l'argent. C'est-à-dire toute la somme est élevée à 30. À 33 600 euros. Oui. Est-ce que j'ai même ma perruque là aux enchères et puis vous allez payer, non? Comme ça, j'ai enlevé 33 600 euros là. Où je vais enlever ça? Je vous explique au début de la convocation. Est, voilà. Comme l'affaire en justice, on ne va plus trop parler de ça. Je ne vais plus revenir encore dessus. Voilà, on ne va plus revenir dessus pour parler de ça. Après le 23, là, on fera un direct. Je ferai un direct. Pour vous dire la situation, vous savez toujours, quand Sylvia dit voilà, FR, je suis dans les règles, voilà. Ça me fait rire depuis. Voilà, donc ceux qui ont. Il n'y a pas d'emprisonnement, voilà, soyez sereins. Il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a rien. Voilà. 33 000. Il n'y a pas d'emprisonnement. Je suis une femme qui travaille en Europe. Ça fait 2 ans que je suis en Europe. Je n'ai jamais eu d'histoire avec la justice, ni dans mon pays, jusqu'à présent.
Je ne suis jamais allée en justice avec quelqu'un. Je suis en règle en Europe ici. Je suis arrivée en France. J'ai commencé à faire mes formations. Je suis diplômée ici en France. Et j'ai un boulot. Et j'ai une situation et je suis femme mariée. Oui, je me suis intégrée. C'est de ça que je vous parle depuis le début. Vous comprenez un peu. C'est de ça que je vous parle depuis le début. Oui, quand on va finir avec cette histoire, je vous donnerai les conseils pour être comme moi. Pour vous intégrer quand vous venez dans le pays. C'est pour ça que je vous demande de travailler. Parce que quand vous venez dans un pays comme la France et que vous travaillez là, vous n'aurez pas besoin de passer par tous ces manigances en question. Voilà, on va continuer nos histoires, nos joies. Vous allez connaître la vraie Sylvia. Oui, Sylvia s'est présentée à vous parce qu'elle est venue vous sensibiliser sur les faits de certaines personnes qui se croient, qui se disent influenceuses. De l'arnaque, oui, je répète encore le mot. De l'arnaque que ces personnes-là font. Oui, je répète encore ce mot-là en question. Voilà, et je suis sortie pour vous dire la vérité. Parce que je suis sortie pour vous dire cette vérité dans le game là où on est. Parce que c'est un game là. Oui, c'est ça qui est ça. C'est un game. Voilà. Si on dit qu'on ne me reconnaît pas d'un papier, j'ai des preuves, j'ai des vidéos pour prouver mes liens. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'emprisonnement. Je vous rassure là-dessus. Il n'y aura pas d'emprisonnement. Il n'y aura rien. C'est juste que je dois payer 30 000 euros de dommages et intérêts à la personne. Base d'Afrique, ton nom est cité. Ton nom est cité. Dans le truc, quand même là. Moi, j'ai fait. Je ne sais même pas qui est derrière Base d'Afrique. Toi, papa, ton nom est cité là-bas. Il y a beaucoup de parties où j'ai écrit ton nom en bas. Ils ont écrit. Quand on va finir là, je vais vous montrer le document en entier. Pour l'instant, c'est en justice. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le document. Quand on va finir tout, je vais vous montrer le document et puis bon, on va voir. Donc, voilà. Donc, je dois payer 30 000 euros de dommages et intérêts. 3 600 euros pour quelque chose là-bas. Et puis, on me donne que toutes les vidéos que j'ai fait là, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, de les retirer. Si je ne les retire pas là, c'est-à-dire que chaque jour, j'ai payé 500 euros. Y'a maman. Y'a maman. La fille, s'il veut s'enrichir sur mon dos. Y'a maman. Ouais. Donc, après, c'était comme ça. On m'a récupéré là-bas pour me dire, non, faut venir. Comme tu travailles bien, voilà une fille, une naïve. Parce que puis j'étais naïve. Voilà une naïve qui est là, je l'ai récupérée. Et elle va travailler pour moi. Yeah, maman, je travaille avec toi. Donc voilà un peu les amis des bêtes. Je vais vous laisser. Attendez. Je vais vous laisser. Ta mère conseille. Si elle vient dire avocat. Venez, vous-même qui êtes mes abonnés là, si vous me posez des questions bêtes et idiotes là, je vais vous répondre par injure. Et vous allez comprendre. Voilà. Attendez. Hein. Je vais prendre le chargeur. Voilà, bon, voilà un peu. C'est ça qui est là. Hein. C'est ça qui est là. Donc, du coup, non, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Attendez. Je viens. Donc, voilà un peu. Attends, je vais. Attendez. Je vais allumer la lumière.
Les gens vont me tuer. Vous allez me tuer. Oh. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, ne vous en faites pas. Sylvie, elle est là. On va continuer. Sachez que je suis une laveuse de cul professionnelle. Et à mes temps perdus, voilà. Et il est mentionné que Peter 007, j'ai oublié, comme j'ai vu votre numéro là. Il a été aussi mentionné que Peter 007 est notre complice. Vous voyez, non? Peter est notre complice. Moi, Sylvia, Peter est mon complice. Donc, je le signale. Elle a mentionné dans le dossier que Peter est mon complice. Voilà, elle a mentionné dans le dossier que Peter est mon complice. Donc, sachez que ne soyez pas, comment dirais-je, inquiet. Voilà, ne soyez pas inquiet, il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a pas de prison derrière. Ça, je vous le rassure. Il n'y a pas de prison. C'est juste de l'argent qu'on me demande. Voilà, pour des dommages intérêts, de grosses sommes qu'on me demande. Voilà, pour des dommages intérêts. Donc, soyez rassurés, j'ai mes preuves avec moi. J'irai me défendre avec mon avocat. Voilà. J'irai me défendre avec mon avocat. Tranquillement, tranquille. J'ai pris une avocate femme. Voilà, j'ai pris une femme et une blanche. Voilà, j'ai pris une avocate femme et blanche. Donc, j'irai me défendre avec elle, tranquille. Ne vous en faites pas. Le dossier, quand je l'ai vu, il était un peu faible pour moi. Ce n'est pas quelque chose de lourd pour moi. Il était vraiment un peu faible, voilà. Parce que, vous voyez un peu. Donc, ne vous inquiétez pas. On va y aller. Donc, voilà. Il n'y a pas de prison derrière. Voilà. Et si aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis une gossipeuse. Voilà. Je suis une gossipeuse. Voilà. Je vais toujours continuer. Je vais toujours continuer à faire mon gossip. Personne ne m'arrêtera dessus. Si son buzz arrive sur les réseaux sociaux, je ferai mon buzz sur elle tranquille. Voilà. Je ferai mon buzz sur elle tranquille parce que je suis une gossipeuse. Voilà. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Ça, c'est pas honnête. Voilà. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Tranquille. Donc, ne vous en faites pas. Pour l'avocat, il n'y a pas besoin de cotiser. Voilà. Parce que mon avocat me va coûter cher. Ce n'est pas un avocat à 2000 euros. Je ne prendrai pas un avocat à 2000 euros. Et ma famille va m'apporter mon soutien pour, comme je vous l'ai dit, il aura la protection juridique qui va servir à payer mon avocat. Voilà. Moi-même, je vais en Europe. J'ai mes assurances, vous comprenez. Donc, mon assurance, ma protection juridique va payer, mon assurance va payer mon avocat. Ne vous en faites pas là-dessus. Voilà. Donc, on va, comment je dis, on va enjoy. Demain, c'est le procès de Clo-Clo. Clo-Clo. Voilà, le procès de Clo-Clo. Voilà. Le procès de Clo-Clo. Voilà. Le procès de Clo-Clo. Clo-Clo et la Cachambi. Voilà un peu. Donc, voilà un peu. Donc, ne vous en faites pas pour moi. Donc, il n'y a pas de prison derrière. Ceux qui sont en train de dire, elle ira en prison. Elle ira en prison. Il n'y a pas de prison derrière. On va me demander. Eh, Vette Sylvia officielle, tes abonnés vont cotiser les 30. Mes abonnés vont cotiser quelque chose, c'est pour aller donner aux orphelins. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle demande. Elle demande 33 600 euros. Ça, c'est si elle a raison. Voilà. Si elle a raison. Voilà. C'est si elle a raison qu'elle aura cet argent. Donc, c'est une histoire d'argent. D'argent. C'est une histoire d'argent. Donc, voilà un peu. Donc, ceux qui sont vraiment heureux, qui pensent que moi, Sylvia, la fille des Nancy Paul, je vais aller en prison, dormez encore. D'accord? Donc, voilà. J'ai reçu ma convocation aujourd'hui.
voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, je suis allée chez l'huissier le chercher. C'est comme ça en France. Parce qu'on ne va pas m'envoyer un torchon pour me dire que oui, il y a une citation, mais moi, je ne suis pas idiote. Je ne suis pas idiote pour qu'on puisse aller prendre un torchon, m'envoyer pour dire oui, voilà, parce que un torchon sans date. Mais je dis c'est un torchon, parce que c'est quoi ça? Quand c'est une mise en demeure, tu écris là-dessus, c'est une mise en demeure. Voilà. Et quand on appelle pour demander quelle est la date du procès, et la personne est énervée, oh, tu ne veux pas parler. Je n'arrive pas à comprendre. On est où là? Laissez tout ça là. Sylvia sait ce qu'elle fait. Calmez-vous. Sylvia là, elle sait ce qu'elle fait. D'accord? La personne en question, elle n'est pas, elle, c'est pas. Si elle dit que moi je suis étrangère, il y a des preuves. Donc, laissez Sylvia sait ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Voilà un peu. Ça fait rire. Ça fait trop rire. Ça fait trop rire. Quand on vous dit de travailler, vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas travailler. Ça fait trop rire. Quoi, tu as peur maintenant? Elle vient d'arriver et puis elle dit tu as peur maintenant. Genre, je vais aller en prison quoi. Non, c'est quand tu expliques là, tu ne comprends pas. Vous avez des mots dans vos bouches. J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? J'ai peur de. Viens dire, j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Viens dire. J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Fallait te me demander l'argent, quoi. On te dit qu'il n'y a pas de prison derrière, tu dis non, j'ai peur. Voilà. Quand j'ai peur? J'ai peur. Il faut attendre d'abord le 23 va arriver. C'est comme ça que vous commencez. Et puis quand vous ne pas, après vous pleurez là. J'espère que vous n'allez pas dire que non, Sylvie allait faire maraboutage. Parce qu'on vous connaît. C'est pour dire que oui, elle allait faire maraboutage. Même la justice n'a pas. Là où ils sont partis là, ils ont fait les trucs là-bas. Parce qu'on vous connaît. Parce que quand vous n'avez pas raison, puis on dit que vous n'avez pas raison là, vous pleurez. Voilà un peu. Donc voilà. Je paye mes impôts en France. Je paye mes impôts en France. C'est tout. Je paye mes impôts en France. Ça fait un an, 4 mois que je paye mes impôts en France. Ça fait 2 ans que je suis en Europe. Et ça fait 1 an, 4 mois que je paye mes impôts en France. Je ne suis pas n'importe qui. Vous pensez qu'on va me prendre comme ça pour des sottises de Facebook, on va me mettre en prison? Pas du tout. Il n'y a pas de prison derrière. Il n'y a pas de prison derrière. Voilà. Voilà, il n'y a pas de prison derrière. Je suis en règle en France ici. C'est vous qui pensez que j'étais une clochado. Sinon, moi, ici, si on dit on a qu'un web fiche de paye de 2021, là, il est dépassé même pour Potomo. Paye Potomo n'a pas fiche de paye. Depuis, c'est avant-hier là que on lui a donné 1 heure par semaine. Sinon, moi, j'ai ça depuis. Quand on vous parle, là, comprenez. C'est avant-hier là qu'on lui a donné 1 heure par semaine. Sinon là, quand tu portes une plainte là, tu dis non, je suis entrepreneur by Ekampi. La logique voudrait que tu signifies cela. La logique voudrait que tu dises que oui, je suis entrepreneur by Ekampi. Et non que je suis animatrice télé. C'est ça. Tu ne peux pas être en France, dans un pays où on tout est déclaré. Et puis cacher ton entreprise. Bon, je vous laisse. Je vais partir. Je vous laisse. Faut pas, je vais trop parler. Vous voyez un peu, non? Vous voyez, faut pas trop parler. Voilà. Oui, c'est ce qui ça va. On peut me dédommager aussi, c'est ce qui ça va. Voilà un peu. Donc, on va laisser. J'attends mon avocate. J'ai déjà consulté mon avocate. On a rendez-vous le 3 novembre, le 3 janvier pour tout coordonner. Je vais lui montrer tout ce que j'ai. Voilà, je vais tout déposer. Et en fonction de ce qui a été écrit dans le truc en question, on va répondre. Je ne vais pas dire mes stratégies ici. Voilà. Oui, c'est quoi Dieu, ils ont mis dans la citation en question. Voilà, et moi j'ai affaire à quoi Dieu
Emmanuel Louise Adolphine, épouse Koulibaly. Voilà, c'est à elle que j'ai affaire, voilà un peu. Et part à Emmanuel Keïta. Parce que si je vois Emmanuel, si on ne met pas d'Emmanuel Keïta, il faut qu'elle montre la carte d'identité. C'est ça qui est important. C'est Kouadjo, j'ai affaire à Kouadjo, Emmanuel, Kouadjo, Emmanuel Louise Adolphine, épouse Koulibaly. Voilà, sur la carte d'identité en question. J'ai même pas affaire à Kouadjo, Emmanuel Keïta. Pas du tout, hein. Je n'ai même pas affaire à Kouadjo, Keïta aussi. Donc, calmez-vous. Voilà, je n'ai pas affaire à Kouadjo, Keïta. Donc, calmez-vous, on est en justice. Bon, voilà un peu. Parce que le premier document qu'on m'a apporté, c'était Emmanuel Keïta. Et je dis non, je n'ai pas affaire à cette personne. Effectivement, j'ai appelé l'avocate, je dis non. Je n'ai pas affaire à la dame en question. Quand j'ai parlé, elle dit non, j'ai reçu une. Elle dit non, c'est Emmanuel Keïta. Je dis non, elle s'appelle Kouadjo. Et l'avocate a dit non, oui, elle a deux. L'avocate m'a dit oui, elle a deux identités. C'est ce que l'avocate m'a dit. Je dis non, c'est impossible. Elle dit non, elle s'appelle Keïta. Je dis ok. Sinon, moi, je connais Kouadjo et épouse Koulibaly. Voilà un peu. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai reçu un document sur le truc. Ils ont mis Kouadjo Emmanuel. Ce que l'huissier m'a envoyé, ils ont mis Kouadjo Emmanuel. Et j'ai pris ça. Parce que c'est ça qui est ça. Maintenant, ce qui est écrit à l'intérieur, là. Voilà, on verra. Bon, voilà un peu. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je vous rassure là-dessus. Soyez rassurés. Il n'y a pas de prison derrière. Il n'y a pas de prison derrière. Pour ceux qui pensent qu'il aura une prison, il n'y a pas de prison derrière. Là où on va, c'est pour voir si je vais lui payer 30 000 euros ou pas. C'est tout. Donc, je vous laisse. Il y a des gens qui m'appellent. Donc, on se